Le nouveau SUV d'Opel, censé rendre à la marque au Blitz la place qu'elle occupait jadis sur le marché des 4x4, arrive sur le marché avec comme principale arme un tout nouveau diesel 2 litres parfaitement au goût du jour. Et c'est en Grèce. Avec son look de gros break surélevé, très inspiré du concept Antara GTC, l'Opel Antara annonce la couleur. C'est avant tout un véhicule routier. Le pavillon fuyant, les ouïes latérales et les barres de toit en aluminium confèrent au véhicule une allure résolument dynamique. Avec ses trois gros aérateurs circulaires façon Audi TT et sa poignée de maintien totalement symétrique à celle du frein à main, l'Opel Antara ne manque pas de personnalité à l'intérieur. L'habitacle est accueillant. Les sièges avant offrent un bon maintien et la largeur au coude est très satisfaisante. On s'y sent tout de suite prêt à avaler des kilomètres. Les passagers arrière seront eux aussi choyés. L'espace aux jambes est très bon et l'assise légèrement creusée de la banquette leur assurera un bon maintien. La tenue de cap est très bonne, même à haute vitesse. La voiture s'inscrit proprement dans les courbes et ne prend pas trop de roulis. C'est efficace et très sécurisant, mais pas vraiment joueur. C'est une familiale, ce n'est pas non plus ce qu'on lui demande. Aux limites, on sentira la voiture entraînée par son poids, 1805 kg à vide, et l'amorce d'un sous-virage rapidement enrayé par l'ESP. Le freinage est excellent, les 4 disques ne souffrent pas trop du poids, même lors de la descente d'un petit col mené à tambour battant, et de surcroît avec une boîte automatique, donc peu de freins moteurs. Nous avons apprécié le nouveau 2 litres diesel, suffisant. L'insonorisation, tout modèle sauf diesel en charge, le coffre, bien pensé, le comportement routier, rassurant et assez efficace. En revanche, nous n'avons pas apprécié la démultiplication trop longue de la boîte de la version 3 litres de V6 et le mode séquentiel de la boîte automatique, mal pensé et inutile. L'Opel Antara est un véhicule abouti, sûr, assez performant, relativement luxueux. Et même si son prix est légèrement supérieur à celui de ses concurrents, il a potentiellement tout pour réussir.